Les internautes sont persuadés d'avoir démasqué la personnalité qui se cache derrière la méduse dans Mask Singer. Selon eux, il s'agirait de Charlotte Gaggio. Nous avons posé la question à la fille de Michel Bernier, membre du jury. Un ours en peluche, un séquençage d'Aiden, une photo de Sandrine Quétier et les lettres L. Idéo, une blouse d'infirmière, un dinosaure en peluche, des fléchettes, les musiques de Baby Shark, Diamond de Rihanna ou encore Run's World de Beyoncé, voici les indices concernant le personnage de la méduse dans la saison 5 de Mask Singer, diffusée ce vendredi 12 mai sur TF1. Dans son premier magnéto, on apprenait que la méduse était gaie et joyeuse, mais que sa vie n'avait pas toujours été facile. Se faire accepter par les autres animaux aquatiques n'est pas une mince affaire. Pourquoi tous les petits poissons étaient si vilains avec elle? Elle alla poser la question à son professeur qui lui donna ce conseil, « Crois en ta bonne étoile et fais ce que tu veux de ta vie comme moi je l'ai fait », était-il également expliqué. Mask Singer, selon les internautes, la méduse et Charlotte Gaggio. Les enquêteurs avaient évoqué les noms de Anne Silla, Laurie Perret et Laurie. Mais si estime Michel Bernier qu'il avait identifié instantanément. Et ce n'est peut-être pas pour rien puisque l'on pensait que Charlotte Gaggio, sa fille, se cachait sous ce costume. Cette voix me bouleverse, avait d'ailleurs lâché la comédienne, émue. Le professeur serait son grand-père, le professeur Choron, Leiden ferait référence à ses illustres parents. La comédienne était également montée sur la scène du cabaret parisien avec sa maman pour une soirée du Sidaction et a joué avec Sandrine Quétier dans Meurtre dans le Jura. Selon les internautes, ça ne faisait donc aussi pas de doute, si y est-il bien Charlotte Gaggio, qui se cacherait sous ce splendide costume. Mask Singer, Charlotte Gaggio amusée d'être citée. Nous avons posé directement la question à la comédienne de Demain nous appartient. Cela m'a fait beaucoup rire, nous a répondu Charlotte Gaggio. Je suis citée en même temps que Laurie, Iris Mittenaar, Clara Morgan, comme s'il y avait un lien entre nous toutes. Je trouve ça hyper drôle. Si Charlotte Gaggio ne dira pas plus, elle nous a en revanche confié que ses jumeaux avaient vu leur grand-mère dans le jury de l'émission. L'émission les amuse beaucoup. Ils trouvent leur mamie super. Ils me posent plein de questions sur elle mais ils n'ont reconnu aucune voix, nous a dévoilé Charlotte Gaggio. À lire aussi, je n'ai pas bien compris ce choix, Charlotte Gaggio, Demain nous appartient, réagit à la mort d'Alma, Camille de Pazzi, la meilleure amie d'Audrey.